Les Chinois ont tendance à s'établir près des plus grands centres de population. Leur présence dans une région éloignée comme le Somerset était très inhabituelle. Le défilé était plein d'usines qui construisaient des stockers et des navettes. Rien de bien nouveau en somme. Mais plus loin dans le défilé, les Chinois cachaient quelque chose de beaucoup plus alarmant. Salut tout le monde, Mister Floquet 191 est de retour. Pour comme vous pouvez le constater, nous allons prendre notre revanche sur les chimères qui nous avaient bien botté les fesses dans la partie précédente. Et encore, quand je dis botté les fesses, je suis poli. Alors, donc, nous avançons dans l'histoire avec une découverte troublante dans les gorges de Cheddar. On trouvera la base des chimères plus vite si on se sépare. Prenez l'autre chemin, et gueulez si vous trouvez quelque chose d'inhabituel. Ouais, Cartwright, toujours avec son fusil sniper. Et moi, pour ma part, j'ai pris le nettoyeur. On va passer, on va leur casser la... Non, ça sera compris. Quelles armes j'ai? Bon, moi, j'ai plus de balles. Hein. Ah, 6 cartouches pour le fusil de précision. Tu peux pas te retourner. Attention, attention. Non, lui est parti trop loin. C'était un joli tir. Attention. Non, ralenti, headshot, ralenti, c'était peut-être pas un headshot, mais c'était bien quand même. Oh, ça c'était magnifique les amis. Oh non. Ah, fait chier. J'avais oublié qu'on ne pouvait pas courir. Si je me souviens bien, il va y avoir plein de méchantes de bêtes. Dégage. On va venir charger. Donc, c'est moi qui vous le conseille. Et là, on se barre comme des lâches. On attend qu'ils arrivent. Oui, mais je sais pas ce que je fous là en fait. Bon bah. Tentons des headshots. Ouais, yeah. Quand c'est bon duel. Bon duel. Aïe. On avance tel un militaire professionnel. Non. Bon, les amis, changement d'arme. Et tiens, ma petite carabine. Voilà, merde, j'aurais peut-être pas dû tirer avec ça. Waouh, il s'est bien écrasé par terre. Les munitions de foreur, les munitions d'un peu de tout. Donc là, cette fois, attention, je ne me fais pas avoir. Ah, mais je n'ai rien en fait. J'ai compris, j'ai rien. J'ai aucune arme. Ah, mais si, le foreur, bien évidemment. Non, en fait, repli. Voilà, espèce de traître de crâne de fer. Voilà. Faut pas me chercher, moi.
En plus, ils le savent, c'est con. Toujours ces soldats, hein. Donc, je vous donne une petite information, ils font partie du Sherpa. Je sais pas si je l'avais déjà dit, en fait. Ah ouais, voilà. C'est bien ce que je pensais. Ah! Sale conne! Tiens. Elle m'a bouffé pas mal de vie, l'enfoiré. Bon. J'ai mes munitions de foreur au max. Donc, la nouvelle arme, hein. Je vois des petits servants. Coco, mon pote. C'est moi. Oula! C'est pas bien de t'approcher de moi comme ça. J'entends un bruit qui ne me plaît pas. Je me prépare à affronter un éventuel boss. Faut se dire, oh mon dieu, une navette. Donc ça, rappelez-vous de ces navettes-là. Hein. Une navette qu'on avait déjà vue à Manchester, hein, qu'on avait vue dans l'épisode précédent aussi. Quand elle lâche ce truc... Il y a plein de chimères en fait. Et est-ce que c'est par là? Oh mon dieu. Oui, on va déjà le tuer, voilà. Et toi, arrête de te planquer. C'est pas bien de te cacher, tu m'entends? Il m'a bouffé presque la moitié de ma vie, hein. Vous avez bien vu. Hein. Comme quoi, ces crânes de fer sont des saloperies. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. De la vie, hop. Oh non, j'aime pas ça. Hein ? J'avais pas vu, il était tout au bout. Dégagez, vous bande de merde là. Attention, je couvre mes arrières parce que, contrairement à... C'est peut-être pas malin de passer comme ça. J'ai utilisé presque toutes mes munitions de carabine. Ah, le grêleur aussi, oui. Le grêleur, c'est pas mal. C'est par où ce petit qui passe par là. Non, c'est ça. Ça tient le ressort. Oh! Bah ça alors! Un petit gris. Les petits gris, hein, je le répète, ce sont des vrais merde. Ah merde, j'ai plus de balles de... J'ai entendu le pelle plus drôle d'après Cartwright. Mais... ouais. Allez, vidons mes balles de sniper de toute façon pour ce qu'il en reste. Voilà, alors lui, c'est tout pris ça. Non, tu vois, j'ai pas besoin d'un coup de main, moi. Il est où? Parce que j'entends les tirs là. Mais... Oh mon dieu! À mon avis, Cartwright m'a aidé. D'après moi, Cartwright m'a aidé. Hein, parce...
Ah bah il est là. Oh, Gertrude s'est pris une méchante balle. Ouais. Gertrude, tu me couvres? Ah, c'est de salopard. Ouais. Salut toi. Ouais. Comme ça. Oh mon dieu. Mais il y en a combien? Ah non, hein, pas question de crever comme une merde, comme dans l'épisode précédent. Hein. En plus, je n'ai absolument plus rien. Monter sur ce truc. Voilà. Ah, mais j'ai récupéré des... Donc, ouais, alors, faut que je vous montre quand même notre nouvelle arme. Non, c'est pas celle-là, c'est la pelle. C'est celle-là. Elle est quand même assez bizarre. Donc, on a... On a quand même 7 armes différentes. Ah, point contre latin. Génial. Ça fait, je crois, 12 minutes que je joue. Je ne suis pas mort. Alors ça, les amis, je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Non, je vais vous expliquer tout de suite même. C'est une tour chimérienne. Les premières qu'ils ont faites, hein, celles de Résistance 2, sont bien différentes. Est-ce que tout va bien? Oui, c'est ça. Ça n'a pas l'air. Bref. Les amis. On se barre, donc vous voyez. Hein? Ouais, d'accord. Je peux pas viser avec ce truc, je ne savais pas. Donc vous voyez cet énorme truc là, ce truc qu'on a devant nous. C'est une tour chimérienne et vous voyez, elle sort du sol. Hein. Je vous spoil un petit peu l'histoire, mais voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il est, Cartwright? Je le vois pas. Ah, il est là. Cartwright, tu peux m'attendre. Où est-ce qu'on doit aller maintenant? C'est par là. Hein. Bon. Après vous, sergent. Il est à 300 mètres de moi. Ouais. Très bien. Oh là là. Allez, là faut arroser, hein. Il n'y a pas d'expulsion. Joli Cartwright. Petite partie au foreur, hein, les amis. Une arme redoutable. Ah mais lui là, il se cache là. Je crois que je l'ai pas vu. Je crois qu'il est mort en plus. Oh là là, ils sont combien? J'en avais plus de balles. En tout cas, j'ai toutes mes munitions de nettoyeur, donc c'est parfait. Et j'ai toute ma vie. Voilà. Est-ce que j'ai des balles de Rossmore? Non, j'ai 3 armes de moins quand même. Ma fidèle carabine, plus rien. Fusil de précision, plus rien. Rossmore, plus rien. L'englueur, tiens. Allez, on va l'essayer, hein, les amis. Ah, mais ça, je me souviens bien, c'est... Bon. D'accord, il n'y a pas photo. On utilisera notre nouvelle arme tout à l'heure. Oh! Mais dégage, dégage! Cartwright, pour tuer un ennemi, il faut viser. Il faut le viser lui! Faut pas tirer. Oh mon dieu, mais c'est des têtes de Goliath ça! Oh là là! Oh mais. À côté, voilà, voilà un stalker à côté d'un Goliath. Rien que la tête est. Elle est 3 à 4 fois plus grande. Pas où il faut aller. Émile! Oh!
Oh mon Dieu. They are not dead. Vas-y, Cartwright. Oh, mais quel professionnalisme. Voilà. Achevé par une de ces mines. Quel coup. Attention, je me prépare à voir des crânes fins. Dégage, 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 dégage. Ah. Non. Non. Oh mon Dieu, mais non. Non, 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 non. Non, mais c'était fini, les amis. Je ne pouvais rien faire. Et Cartwright s'est fait défoncer à côté de moi. C'est... Bravo, Cartwright. Ça va. On reprend pas très loin. Et ça, c'est des pattes de stalker, si je me souviens bien. Ah, mais il y a des munitions en plus, ici. Ouais, mais bon. Ouais, bon. Waouh, bravo Cartwright, là tu l'as bien placé. Là Cartwright, tu l'as bien placé. GG Cartwright, GG. Bon, là les amis, ouais tiens, testons notre angleur. Toi, non, toi là sur ton mur, au perché. Ah ouais, il est quand même puissant. Ah, sale con. Voilà. Teste-toi, Cartwright. Voilà. C'est bon. Ça y est. Ah, il y a un étage. Ah, puis j'ai récupéré de la santé. Il me reste 35 minutes. Ah, j'ai eu un champ de force pour le forer. Ah, j'ai récupéré des munitions. Génial. Alors là, rien que la musique, je sais qu'il y a des chimères qui arrivent. Ouais, bon. C'est pas si dur à deviner que ça, mais quand même. Voilà. En train de faire de moins. Oh, joli Cartwright. Il a fait un headshot no scope. Là, bravo. GG. Mais je n'ai pas de grenade. Cartwright, aide-moi. Ah, la musique s'est arrêtée. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de chimères. Bon. Ces chimères-là, elles sont bizarres, je trouve. C'est des hybrides quand même, mais... Nathan Hayes. On en a souffert. Hein. Ah, mais c'est pas de par là qu'il est parti, Cartwright. Mais si. D'ailleurs, quand est-ce qu'il arrive? Il est peut-être déjà là, en fait, en train de m'attendre. Non. Ah, ben dis donc, ton ami du temps, Cartwright. Il a mis 300 ans avant de comprendre qu'il n'y avait plus personne. Ah, ben la Jeep. Ah, ben voilà, c'est fini. Enfin, on a fini. Il était temps. Kyle et Cartwright avaient découvert la clé de toutes les stratégies des chimères. La tour qu'ils avaient trouvée n'avait pas été construite. Elle avait été excavée.
Ce peuple fait changer tout ce que nous croyons savoir sur les chimères. En quittant le Somerset, ils remarquèrent forcément les produits d'alimentation sortant de la tour de Hale. Nous pensons que cette découverte influença les décisions cruciales que Hale prit plus tard. La route jusqu'au commandement sud aurait au moins duré une heure. Les chimères auraient largement eu le temps d'avancer. Ah, le commandement sud. C'est intéressant, ça. Commandement sud est en feu. Oui, on a déjà été attaqué au commandement nord. Alors, voilà une de mes missions préférées. Le diable frappe à la porte. Commandement sud. Bristol, les amis, Bristol. On change de lieu. Le 13 juillet 1951, 14h24. Voilà. Toujours en Angleterre, évidemment. Donc, Bristol n'est pas aux USA. Hop là. Oh, il y a des porteurs. Oh mon dieu, il y a des stalkers. Ah non, je m'occupe des stalkers. Mais ça me rassure pas. Ça me rassure pas. Ça me rassure pas, Cartwright. T'approches pas de moi. T'approches pas de moi. Ah mais, y a mes hommes là. Voilà, je peux sauver la vie, mec. Tu pourras me dire merci. Ah, j'ai des grenades. Génial, nickel. Non, pas le droit de touch, mais celle-là. Il y en a plein d'autres. Et... mais je suis peinant, ils n'arrivent pas. Regarde, voilà. Faut juste savoir comment s'occuper des chimères. Voilà. C'est bon. Et j'ai perdu toutes mes munitions de carabine. Y a pas des soldats morts quelque part? Non, lui il est mort, mais... ouais, ouais, c'est vraiment la guéguerre ici. Ouais, mais 9 cartouches, mec, ça va pas m'aider, quoi. 7 cartouches non plus, 9 cartouches non plus. Ah! 50 cartouches pour la carabine. Et j'ai toutes mes balles de fusil à pompe. C'est louche. S'il y a des balles de fusil à pompe, les amis, ça veut dire qu'on va en avoir besoin. Oh. Ah ben, ils ont eu le temps de placer des mines, hein, les enfoirés. Oh, un hurleur, j'hallucine. Oh, oh, mon dieu. Oh là là. Heureusement qu'avec mes soldats, on l'a bien enchaîné. Évidemment, il y en a un deuxième. Non! Oh, les amis, c'est trop fort, je l'ai eu au coup de crosse. Et mon soldat, il a la tête dans le sol. C'est où pour reprendre mes munitions? Par là. Voilà, c'est bon. 7 cartouches pour le fusil à pompe. C'est vrai que le fusil à pompe, c'est très utile hein, contre ces salopes. Je sais pas ce que vont faire mes gars, moi. Ah, il y a des tirs. Ah, attention. Ouais. Je n'y vois absolument rien. Peut-être viser un peu. Oh là là. Joli. GG. C'est bien. Hein? Non. Oh là là, mais si mes soldats me couvrent pas, ça va pas aller, pardon. J'espère que je recommence pas du début quand même. Quoi? Ah bon, en fait, je viens de comprendre que les stalkers, c'est inutile de les affronter. Pour l'instant, en tout cas. Alors, voilà, jackpot. Et toi, tu vas déguerpir. Ah, mais ce qu'il y a de stalkers, là. Dégage. Dégage, tu m'entends? Dégage. Mais, oust.
un bon... Bon, alors là, les amis, c'est tout ce qui nous attend. Hein. Bon, là, ça a pété. Voilà. Ouais. Et là, ils attendent, c'est bon, il arrive. Malgré tout ça, mes soldats arrivent à survivre. Bon, les amis. On reprend le carnage là où on l'avait laissé. Mais avec toutes ces explosions, en fait, je vois pas grand chose. Aïe. J'ai une peau. Toi, tu ne m'échapperas pas. Ouais, bon, en fait. Non. Voilà, c'est lui qui m'a tué, c'est lui. Toi. Voilà, merde. Bon, en fait, non. On reprend le carnage. Non. Non. Voilà. 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 Non. You haven't got the droit de bouger. Non. Mais... Voilà. Ah, ce qu'il en reste! Merde, j'ai pas fait gaffe. En fait, tant qu'on leur rentre pas dedans, il en reste. C'est moi aussi, je dis c'est vrai, là. Dégage! Mais non! Vous pouvez pas être 350! Je suis désolé, non! Tous mes soldats se précipitent par là. Je vais rentrer là vite fait, les amis. Voilà, on ramasse tout ça. Ils arrivent par la grille, ces gosses bordel. Oh mon dieu, un titan! C'est bien un titan. Là, les amis, pas d'exception. Je vais faire ça, hop, tac. Le viser. Oh putain, ça c'était différent, c'était un titan. Différent. Oh non. Bon bah les amis, voilà, hop. Non, je vais pas quitter quand même. Écoutez. Je pense que je vais m'arrêter là. Non. Non, je vais pas m'arrêter là en fait. Ce que je vais faire, les amis, je vais accélérer. Je vais passer la vidéo, en fait. Voilà. Alors je vous dis à tout de suite. Allez les amis, à tout de suite. Et nous revoilà les amis, on a repris là où on était. Alors attention à ce titan qui va débarquer par cette porte. Alors attention, là, toi, on a de l'espoir. Ah, ça y est, il arrive. Oui, j'y vais. Là, vous savez quoi? On va tout de suite l'enchaîner avec tout ce qu'on a. Oh là là, les amis. Je l'ai esquivé, mais de peu. Hein. Non mais il me faut une arme puissante. Ah oui, pourquoi pas. La tourelle automatique du grêleur. Allez là, je lui marque sa petite tête. Bon. Vous savez quoi, j'ai pas l'impression que ce soit suffisant, mais... Oh là. Là, les gars, ils viennent d'envoyer une roquette qui m'a fait
hyper mal, je te le dis. Oh. Allez, on va la voir, on a de l'espoir. Oh là. Oui, je l'ai eu. Mon dieu, les amis, se faire un titan au nettoyeur. Bon, je vous cache pas que c'est pas la meilleure chose à faire, mais bon, on a toujours de l'espoir. Hein. Tant qu'il y a l'homme, il y a de l'espoir. En même temps, tant qu'il y a des guerres, il y a l'homme. Hmm. Parce que d'habitude, c'est l'homme qui verse son propre sang. Hein. Ce sera compris là-dessus. Hein. Je prends par exemple les guerres mondiales, la première, la seconde. Non, en fait, on est dans une réalité alternative, en fait, où la Seconde Guerre mondiale n'a jamais eu lieu, en fait. Alors là. Voilà, ça, je m'en souviens. Ah, je me suis fait avoir pour le dernier, mais... pas grave. Écoutez les amis, il me reste 21 minutes. J'ai l'impression que ça fait plus longtemps que ça que je joue. D'habitude, il y a des servants qui arrivent. Et quand on rejoue au mode multijoueur, on a un lance-flamme ici. Alors oui, là on ne l'a pas. Pourquoi? Eh ben parce que les producteurs sont des enfoirés, tout simplement. Oh. C'est pour ça qu'il y a des trucs pas très gentils. Ah mais j'ai personne à me cacher. Maintenant on peut se planquer ici. Bon. Ah! Je l'avais pas vu. Ah, il y a des grenades. C'est parfait. Alors, je vais voir quand même les balles de sniper qui me restent. Il me reste 3, ouais, bon. On va essayer d'y arriver, mais... c'est pas dit qu'on y arrive. Vous voyez comme quoi, avec l'effet de surprise, les chimères, on peut les enchaîner vraiment très très vite. Hein. Avec le nettoyeur aussi. Alors, ce truc-là, c'est des... Quelle est conne celle-là. Attention, il n'y a rien eu. Hein. Voilà. Dégagez. Non mais regardez, à deux chimères, regardez tout ce qu'elles arrivent à m'enlever, quoi. C'est assez impressionnant. Dégage, non, je ne mourrai pas par ta faute. Eh non, ma vieille. Ah ouais, en les enchaînant en nettoyeur aussi, on peut se les faire. Bon, alors là, une petite grenade dans le milieu, ça devrait le faire, non? Ouais, ils sont bien partis en ce moment. Ah, une musique qui s'est enclenchée. Hein? Oh non, ouais, j'étais juste à côté en plus. Non. Voilà. Je m'amuserais des fois à essayer des noscopes, des trucs comme ça, mais bon. C'est pas dit que j'y arrive. Oh! Alors, lui... non. Non, il y a des crânes de fer, là. Toi, t'es pour moi. Voilà. Et de une. Il s'en fout. Vu qu'il me voit pas, il tire dans le tas. Bon, mais... arrête de te foutre dos à moi. Sérieux, quoi. Non, mais... il sait pas où il veut aller ou quoi, là. Allez.
Oh là, le nombre de balles de sniper qu'il faut leur mettre. C'est de l'hallucination. Regardez, si je vise cet hybride au ralenti parce qu'il bouge trop, une petite balle dans la tête suffit. Ouais, mais arrêtez de trop bouger. Voilà. C'est moi qui vous le dis. Alors. Putain, mais il y en a encore un, mais... pas le temps de te foutre à couvert, toi. Bon. On va changer d'arme, étant donné que... ouais, 10 cartouches pour le fusil de précision. 10 cartouches. Ouais, maintenant j'ai tout à fond. Très bien. Merci pour les munitions, bande de crâne de fer. La pire insulte pour un crâne de fer, je pense, on pourrait les appeler les crânes de plastique. Coucou. Attends, laisse-la moi. Voilà, c'est bon. Bravo, Cartail. Tu fais du bon boulot. Allez, on y va. C'était par là, je crois. Oh, je sais même plus. L'essentiel, c'est qu'on ait fini cette mission, les amis. Il me reste 16 minutes. Mais une plus grande menace apparut. Les chimères avaient infiltré le hangar par le côté sud. Si nous ne portions pas les avions en bon état, tout serait alors vraiment perdu. Allez au hangar! Assurez-vous que tous les transports sortent de là! Bon, les amis. Seul A, il est parvenu. Il y a plein de trucs ici. Je sais pas pourquoi. Un escalier comme ça, ça me rassure pas. Je vais prendre mon rassure. Oh non! Pas ces merdes. Oh, il y a des chimères qui montent. Voilà, allez, c'est comme ça que ça marche. Oh mon Dieu! Oh non! Non. Non. Alors lui, tout de suite que je lui mette toutes mes grenades dans le tas. Voilà. Oh non, mais regardez toute la vie qu'il m'a enlevée. C'est... sale bâtard. Bien. J'ai coupé ma lampe torche. Vous dites ouais. Ouais. Ça les a pas empêchés de me repérer, mais c'est pas grave. Mais où est-ce qu'elle est cette salope? Ouais, ma petite chimère. Non. J'hallucine, elle m'a fait. Des chimères qui s'acharnaient sur un pauvre soldat. On dirait qu'il en tremble encore. Alors, 15 janvier 1950, ils nous ont fait décharger des caisses de Vitol toute la journée. Ils disent qu'il s'agit de pièces d'équipement de laboratoire pour le CN. Je pense que c'est Commandement Nord. Mais plus d'une centaine d'hommes gardent le site de chargement. 16 janvier 1950. J'ai remarqué que certaines caisses portaient un drapeau américain. C'est impossible, tout le monde sait que les Yankees refusent à tout prix de s'engager dans cette guerre.
Et pourtant, me voilà, Nathan Hay. Ça me plaît pas, ça, les amis. Un crâne de fer dès le début, carrément comme ça, qui monte la garde. Vous savez quoi? Je vais jouer mon suicidaire. Lui là-bas, il cherche vraiment la guéguerre. Où est-ce que tu tiens, allez? Quand on a plus de balles, dégage. Oh là, il a tenté de me frapper. Je vous cache pas que s'il avait réussi à me frapper, je serais mort. Ouais, est-ce qu'il m'a changé de d'arme? Ouais, c'est encore des balles pourtant. Bref. Oula, parle dans un langage incompréhensible. Un homme qui est mort au billard. Nous savons maintenant que les militaires anglais ont des salles de jeu. Oh mon dieu, non. Petite chimère. Pas cette chimère. Voilà. J'ai utilisé une grenade pour rien. Mais ces chimères-là, ce sont des nouvelles chimères. Voilà, on verra peut-être un peu mieux comme ça. Ce sont des crolons. Ils ont une arme, une espèce de fusil à... Un espèce de fusil à pompe chimérien, en fait, c'est une arme bizarre. Et malheureusement, on ne peut pas l'avoir quand on joue la campagne comme ça directement. Le lieutenant Everly. D'accord. Faut que je retrouve un lieutenant, apparemment. Le lieutenant Everly. Oula, 108 munitions pour nettoyer. Oui, je commençais à en avoir vraiment besoin des munitions. Ah ouais, joli concept hein, quand même. C'est ouais. Ah attendez, c'est moi ou c'est des chars? Ouais, c'est un char qu'on avait conduit. Qu'on avait conduit dans une des missions des premières missions du jeu. Je commence à m'emballer et je trouve plus mes mots. Bah ouais. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ouais, on voit rien. Est-ce qu'on pourrait voir du monde comme ça? Ah, ils ont quand même fait la fumée qui part. Ça, c'est bien représenté. C'est bien représenté. Il y a de l'idée, mais voilà quoi. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Oh non, putain! Bon, bah, moi, vous savez, hein, je suis un lâche. Bien connu. Ah, mais bon, j'ai ça, moi. Et voilà, deux grenades air combustible et notre titan est KO. Vous en voulez une, vous aussi, hein? Non, c'est vrai. Voilà.
Viens me chercher aussi. Et lui, il est là tout seul. Et il est bel et bien mort. Donc, c'est notre je ne sais combien tienne de titan. Je crois que c'est notre quatrième ou cinquième. On passe par là. Eh ouais, moi aussi je bouge un tirant. Hein. Voilà, mes balles l'ont atteint. Peut-être 30 minutes plus tard. Mais... Ah. Ouais. Voilà. C'est bon. On a refroidi des chimères, encore et toujours. Ça devient une routine, hein, mine de rien. Ah, j'ai même pas utilisé de grenades 40 mm. Maintenant, je sais que quand je verrai un titan et que quand j'aurai des grenades air combustible, ça pourrait me sauver la vie. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Je peux pas faire ça. Non, il n'a rien eu, c'est quoi ça? Voilà, c'est mieux. Je vais chercher le lance-grenade là-bas. Étant donné que je n'ai plus de grenade. Voilà. En fait, je crois que cette position, pas la descendre. Non, pas rester là. Il faut qu'on se barre. Comment pour aller où, je ne sais pas, mais j'en ai peut-être une comme ça, mais c'est qu'il y a d'autres chimères là-bas. On va se marrer alors. Bon. Si je comprends bien, reste plus que les chimères qui sont là-bas, quoi. Ah ouais, ouais, c'est bien ce que je me disais, il y a des chats. Oh mon dieu, tout ce qui pleut dehors. On peut dire qu'il les arrose, hein. Alors attendez. Mes petits chéris, j'ai une surprise pour vous. Voilà, tiens. Et voilà. Alors des fois on peut dire vraiment merci au fusil de sniper, hein. Fusil de précision M23. Hey, il y a des trucs là-bas. Ah, un nouveau document. Base en état d'alerte. Capitaine Parker vient de partir précipitamment avec deux pelotons de commando. Le commandement Nord a été attaqué pendant que nous combattions à Nottingham. Pas un mot sur d'éventuels survivants, mais ça s'annonce mal. Nous savons tous que ce sera bientôt au tour du commandement sud. C'est seulement une question de temps. J'ai des munitions dans la salle des cartes. Quand les chimères viendront, je serai prêt. Ce soldat a peut-être survécu, hein, celui qui a écrit ce message. Peut-être, après je ne sais pas. Enfin, c'est beau les hélicoptères bizarres, comme ça. C'est un mélange entre... C'est un mélange entre un avion et un hélicoptère, ce truc. On appelle ça un VTOL. 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 Ouais, bah... Ouais, je crois que c'est par là. Les amis, il me reste 3 minutes, alors je pense qu'on va bien vous arrêter parce que... C'est pas que ça commence à faire long, mais pareil quoi. Ouais, écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. On se reverra dans cet ascenseur. Sinon, qu'est-ce qui se passe si je saute? Bon. Vaut mieux pas tenter. Hein. Vaut mieux pas essayer. Donc ouais, il me reste 3 minutes. En 3 minutes, je peux pas vous proposer grand-chose. Je pourrais pas finir la mission de toute manière. À moins de faire du speed, mais c'est pas sûr que ce soit plaisant quoi.
plus, ils ont creusé ça dans le sol. C'est pas mal. Ça, c'était vraiment bien. La classe. Donc oui, je pense que je vais m'arrêter là. Hein, parce que là, il me reste actuellement 2 minutes 46. 45. Donc, voilà. Je pense qu'on aura quand même assez bien avancé dans cet épisode hein, que j'ai coupé parce que ça m'énervait un peu. Et voilà. On aura fait 2 missions, je crois, et on en aura entamé une troisième. Bien entamé, je vous dis. Hein, il nous reste quoi? Si j'avais 5 minutes de plus que ce que j'ai. Si j'avais 10 minutes de plus, je pourrais finir cette mission et même entamer la suivante. Hein. Mais voilà. Alors moi je vous dis à plus et portez-vous bien. Salut les amis.